Bonjour, 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 la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker et partager la vidéo. Voilà. Et nous allons un peu parler de la situation qui prévaut à Kankan-Abaya actuellement. Voilà, précisément au quartier Bordeaux. Et jusqu'à présent, les négociations sont en cours. Les jeunes de ces quartiers, ils veulent rien comprendre. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez dans tous les groupes Kankakalou, allez manifester direct Minoya. Les jeunes de Kankan, là, ceux qui veulent la parole, là, demandez ici. Je dis bien ceux qui sont à Kankan, allez manifester. Ceux qui veulent s'exprimer, là, allez manifester. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Les gens ont cru que non, le pouvoir, c'est de la démagogie. Alia et la Kono, qu'au pouvoir, c'est de la démagogie. Kambere Bayale, qui ouvre son madala, Kafoko, Ndaketanda Botan. Je vous ai toujours dit ici, à l'époque, les gens étaient là à dire, oh, manifestation, c'est le fief du RPG. C'est le fief du RPG. Les gens étaient là toujours pour inciter, pour pousser les gens. Voilà, à dire certaines choses. Il y a des micro-barrages. C'est presque fini maintenant. Qui ont été construits là-bas. Donc, depuis l'arrivée des bandits, les Kankanais ont constaté les coupures. Chaque jour. D'autres n'ont le courant que 2 heures seulement. Voilà. Macantouré. Voilà. Si tu es de Cancan, je peux te prendre. Tu vas dire un mot. Macantouré. Macantouré, ok. Je t'ai lancé partager dans tous les groupes parce que CNRD, vous pensez que nous sommes contre un cafalien, un TC. Là, il m'a dit Ebola, voilà. Allô? Allô? Oui. Mon frère, Antika, maintenant, du malade. Allô? Il can dormir, il can dormir. Il y a téléphone quand même. Allô? Oui. On compte il can maintenant. Adonis, quand maintenant, animal est en feu. Ok. Comment ni moi lui a maintenant ça va. Ok. Il est bon rôle. Gravou, mais au courant collé. Bah, ni courant dans la carte qu'on a courant nous sera là. En bonne mouleur, quand manifester, Kairaka, Ante, en l'ante, Kankando, les bas, mais bas, en malo. Donc, on a boli, vous l'avez dit, on y courant seront. Pour te borrou, qu'on a, foui. Et bah, qu'il y a courant, quoi, il faut au moins 600 mètres, 500 mètres, 800 mètres. Poto ma don quartier kono ni poto quartier kono poto don lani EDG kono yi a chomela aibani nala a implanté la quartier kono donc yoro men luma li ay doit poto itudui donc ana grevu kunye mundi nan farante kankando ou bien nan ni courant mankan anyoulon an bonu wuloro alie freke ani courant soro nyankan ani courant soro nyaoma antoine ma ferati amadarati anyana courant ko nanga courant soro anmra la frais
ou bien ni la gina ka le tani anyu lo. OK. Awa ba Allah situation est dibi. Anyaka hanka mema wole ke no le make ali sini so ma fana anibo. Antana desiste la de anyaku kan. Fanyu Quran ne soro. OK. Il n'y a pas de problème. Ambre la main. Oh, merci beaucoup, mon frère. Merci, Damaro. Hein? OK. Donc, la famille, vous venez d'écouter notre frère, Makan. Voilà. Ceux qui sont à Kankan, on vous dit, Nka Falignene, Komote Djuburo Tonolona, Fonis Monika Bama. Parce que Cambéré Badouli a été falaco parce que là, il m'a dit, vient de Cancan, qu'il va venir tromper tout le monde. C'est au temps du professeur Alpha Condé. Groupe, groupe, groupe. Vos barrages, les micro-barrages là, tout le monde a vu en construction. Même brave Falignane, vous allez sentir la différence entre le Fama et ses bandits, ses narcos. Bekalo, qu'on drogue, frère, là, Bekalo, quand tu fausse la faute, drogue. Cambéré Badouli. Cambéré Badouli est dans la Djamana Tanti. C'est-à-dire qu'il y a un cridoï, quoi. Mais j'ai dit au peuple de Guinée, restons patients. Là, il m'a dit, ce n'est pas la démagogie qui avance un pays. Ça, c'est seulement Cancan. Le reste du pays, là, les gens vont se lever tout d'un coup, comme au temps de l'Ancien Comté, quand il y a eu la grève générale. Ça, là, ce n'est pas FNDC. Ça, ce n'est pas le RPG. Ça, c'est le droit du peuple. Et c'est ce qui va se multiplier. Ça n'a rien à voir avec les leaders politiques, société civile. Oh, c'est de la manipulation. Oh, ça, là, vous allez négocier avec eux. Moi aussi, t'as fait la quoi RPG l'été. Il y a eu le coup d'État, personne n'est sorti. Moi aussi, ma bo. RPG m'a appelé qu'est. Moi aussi, ma fausse qu'est. Adonitela la mokou. Adonitela la mokou. Voilà. Bien. Yeah. Bon, toi, que je ne sais pas, Diallo, Métinois, que ça a commencé entre vous, venez de commencer ça. Je risque de te bloquer ici, là. L'expression « vous », là, je risque de te bloquer. C'est ça. Et c'est de ça que je parlais hier. C'est ça, vos sérieux problèmes. Mentalité, ethnie. Oui, ça, c'est entre eux. Nous, on s'en fout. C'est ça, vos mentalités. J'ai parlé de ça hier. Des bornés comme vous. Des ethnos comme vous. C'est-à-dire, ce qui se passe à Cancan, ce n'est pas ton problème. Cancan n'est pas la Guinée. Et c'est pourquoi, quand ça se passe sur Bambeto, d'autres disent aussi, ce n'est pas leur problème. J'ai parlé de ça. Changez vos mentalités bidon à un moment donné. Mettez l'intérêt général. Dites-vous que Yomou, c'est la Guinée. S'il y a du mal, si ça ne va pas à Yomou, tu dois te sentir aussi. Ne te dis pas que non, moi je ne viens pas de Yomou. La Guinée, je vous ai dit cela. Le nationalisme. Chez toi, c'est à Yomou. Chez toi, c'est à Siguiri. Chez toi, c'est à Mali Yembere. Chez toi, c'est jusqu'à Kassa. Mais vous ne comprenez pas tout le temps. Quand vous ne mettez pas quelque chose là, ne mettez pas vos commentaires de haine, de division ici. C'est entre vous. Ça ne va pas chez toi. Ou bien, tu ne te dis pas que tu es Guinéen, ou bien tu te dis, tu viens de telle région, toi, c'est la nationalité là que tu as. Alors, ta nationalité guinéenne là, enlève ça sur toi en même temps. Non, à un moment donné, changez vos bêtises là. Moi, j'en ai marre de vos conneries là, à un moment donné. Vous n'aimez pas qu'on vous parle, quoi. Vous n'aimez pas, c'est-à-dire, vous ne voulez pas que ce pays-là avance à cause de vos commentaires bidons là. Ah, c'est entre vous. Ah, Anna Otagi. C'est quand ils vont venir, c'est-à-dire casse-toi ton pied maintenant, tu vas dire, ah non, moi là, on ne nous aime pas, ils ne nous aiment pas. C'est ce que tu vas dire. Au moment qu'ils sont en train de casser les pieds de l'autre, il faut parler, il faut dire non, c'est pas bon. Avant que ça t'arrive aussi. Mais vous ne comprenez pas. Tcherno Boubacar, je connais très bien le compte. Voilà. Il n'a même pas, c'est pas de faux compte même.
on connaît les faux comptes. Et quand je parle en connaissance de cause. J'ai toujours dit ici, moi là, je ne suis pas démis ou quoi ici. Si c'est les militants du RPG, voilà, je les bloque ici. Vous me connaissez pour ça. Moi, je ne tourne pas autour. Ce n'est pas de faux comptes. Ce ne sont pas de faux comptes ici. C'est ça le problème, nous, les Guinéens. C'est ça nos mentalités. Voilà. Il faut qu'on change un peu. Si vous voyez jusqu'à présent, les bandits font ce qu'ils veulent. Voilà. Merci. Toi, Diogo Baldé, c'est un peu ça. Ça ne va pas changer. Non. C'est comme ça devrait. Vos parents, vos frères ont divisé les Guinéens. C'est ça vos mentalités. Dieu vous a dit, moi, je ne suis pas venu ici. Le direct là. Si ça ne t'intéresse pas, tu t'en vas ailleurs. Parce que je vous ai dit, moi, Damaro, je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un ici. Le combat qu'on fait, s'il y a des gens qui vont venir juste pour vomir leur haine ici, là. Je l'ai dit, les quatre coins, je ne joue pas avec quelqu'un. Même mon cousin, je l'ai bloqué. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Cancan, on ne dira pas non, c'est l'affaire politique, c'est FNDC, c'est le RPG. Non! Essayez de comprendre ça. Ça, là, ce n'est pas RPG. Ça, là, ce n'est pas FNDC. Ce n'est pas les partis politiques. Ça, c'est le quotidien des Guinéens. Si demain, c'est à l'abbé, je n'accepterai pas que quelqu'un aussi de d'autres régions vienne ici pour dire c'est bien, c'est entre eux. Non, c'est ça. Hier, ma vidéo d'hier, c'était spécial sur ça. C'était spécial sur ça. J'ai dit non, non, non. Tant qu'on a ça en tête là, la Guinée n'ira nulle part. Et je ne vais pas tolérer ça ici maintenant. Si tu sais que tu ne peux pas supporter là, il faut aller. Tu mets un commentaire, je bloque. C'est très simple. Ça, c'est très simple. Voilà. Si vous vous étiez des communicants, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont divisés. Les propos communautaires. Voilà. Ça, c'est entre eux. Moi, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est entre eux. Moi, ce n'est pas mon problème. Garde ça pour toi. Ne viens pas contaminer les gens ici. On n'a pas franchement besoin de ça aujourd'hui. Hein? Non. Non, franchement, il faut qu'on se donne les mains actuellement, la situation du pays aujourd'hui. Les bandits qui sont là, il faut toujours faire, il faut tout faire pour les faire partir. Ils ne vont pas développer, ils ne vont rien apporter. Ils ne vont rien apporter. Les gens de Cancan, et jusqu'au temps du professeur Alpha Condé, ils avaient le courant. C'est 1000 fois mieux que maintenant. 1000 fois mieux. Aujourd'hui, ils ont le courant. D'autres même n'en ont pas. 2 heures du temps seulement, souvent, ça ne vient même pas. Je dis, c'est maintenant, ils se rendent compte que ah, qu'hier, là, c'était mieux. Malgré qu'ils étaient en train de faire des micro-barrages pour eux. Mais actuellement, ils se rendent compte que ah, déjà, hier était mieux. Là, il m'a dit, tu vas sentir. J'ai dit, votre plan de division là, ça ne va pas marcher en Guinée. Diviser les Guinéens pour que vous restiez là, ça ne va pas marcher. Mais là, le peuple de Guinée va sortir, vous allez sentir. Vous avez vu dans les autres pays, problème de paix au Soudan. Vous avez vu comme les El Bashi sont partis. Problème de pain, paf, c'est parti. Et c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se promène pas. On ne se presse pas. Konou Fitini, paf, vous allez voir sur l'étendue du territoire. Là, il m'a dit. Konou Fitini, tu vois actuellement, tu ne peux pas grossir. Et tu sais qu'à Draya Soro. Tu ne fais que maigrir.
Ibrahim, tu ne fais que maigrir les soucis. Tu as tellement de soucis. Est-ce que je peux forcer la situation? Est-ce que le procès va venir? Est-ce que je pourrais payer? Je pourrais recruter? J'ai mis 12 000 à la retraite. Est-ce que je pourrais recruter les 12 000? Est-ce que les choses iront bien pour moi pour pouvoir payer les 12 000? Là, il m'a dit. Souci, souci, quand tu m'as causé ça là, tu vas sentir de quoi le procès Alpha Condé était capable. Ibrahim l'entendait. Moi, je vous ai dit, le pouvoir, ce n'est pas l'affaire d'ethnie. Là, il m'a dit lui-même, là, il vient de Cancan. Si c'était l'affaire d'ethnie, là, si c'était l'affaire d'ethnie, là, ils allaient dire, ah, en Canada, à la Maloya, faut pas, on va le faire revenir ou quoi. Vous avez vu? Parce que moi, le bras tort, Kounounoubi a été créé. Avant le 5 septembre et maintenant, c'est différent. Troya, Bréa, Yorobé, activité T. Pas de business. Les commerçants se plaignent. Fais le baisse son cobaye. Situation, Diamana. Mobakrolou, Bétoroni. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette souffrance-là, tout ça là, c'est comme tu vas allumer le feu seulement là. Prac, prac, ça ne s'est pas encore allumé, c'est ça. La fumée qui passe là, c'est ça. Prac. Là, il m'a dit. Moloubotoya. Hier, j'ai montré, non? Hier, j'ai montré le frère de Madik, les supporters number one de Laï Madik. Eux-mêmes, ils ont commencé à parler. Ah, ça ne va pas. Qu'il a fait le tour des 5 communes. L'intérieur, là, on n'en parle pas. Eux-mêmes, ils se lèvent. Ça, là, ils n'ont même pas appelé à des manifestations. Ils se sont levés, spontanés. Et moi, j'ai déjà dit, ça arrivera avec le temps de Laï Madik, là. Si ils n'avaient pas connu le temps du professeur pour voir la différence, ils n'allaient pas pouvoir le faire. Mais ils ont connu le goût. C'est quand tu as été à l'aise et qu'on vient couper, tu te rends compte que, ah, hier, là, c'était mieux. C'est comme ça. Celui qui est au village, là, qui ne connaît pas le courant, lui, il ne va pas manifester. Mais si tu as connu la différence, le courant venait à 6 heures, jusqu'à 6 heures du matin. Le courant venait jusqu'à 6 heures, jusqu'à 2 heures du matin. À l'époque, tu disais que ça, ce n'était pas bon. Maintenant, celui qui faisait cela, on l'enlève. Quelqu'un d'autre vient pour dire que non, rien n'allait. Lui, il vient, c'est de 6 heures à 22 heures. Même 22 heures n'arrive même pas. Souvent, paf, c'est coupé. Ah ouais, c'est ça la différence. Bravo le fol nyéné. Si l'autre te donnait 12 heures ou bien 8 heures, tu dis non. Lui n'est pas bon. On vient, on l'enlève. Maintenant, le bandit vient s'asseoir. Là, il m'a dit, Mbrafo, Kosu Kote, Mbrafo, ce n'est pas l'affaire d'ethnie. Ni Seni, Iseni, ni Tese, Itese. Là, il m'a dit, Tese. Kabre Bayate. Hein? Là, il m'a dit, Kabre Bayate. Tu as cru que non, tu pouvais manipuler à Sinitan, à Bonitan. Mbrafo, tu ne feras rien dans la ville de Cancan, Ifabra. Professeur Alpha Condé Mamike. Tu ne feras rien là-bas. Tu ne feras rien là-bas. Le goudron, Bonyuman, Cherifoula, Buffet de la Gare, bâtiment administratif, banque, sous-préfecture, préfecture, gouvernorat. Là, il m'a dit, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Voilà. Voilà. Malik Sek, tous ceux qui mettent Anao Tagui, moi j'ai dit je bloque ici. Parce que c'est que vous n'êtes pas des Guinéens. Moi, sur ma page ici, toute personne tu mets Anao Tagui, c'est que toi tu n'es pas Guinéen, je te bloque. Moi je ne cherche pas des vieux. Tu viens ici, si tu veux là, il faut être quoi. Tu écris seulement Anao Tagui, c'est que toi tu n'es pas Guinéen, je te bloque. C'est ça le problème de la Guinée. C'est que si tu n'as pas de sympathie pour le Guinéen qui est à Yomou, tu n'as pas de sympathie pour le Guinéen qui est à Mali Yembré, tu n'as pas de sympathie pour le Guinéen qui est à Kamsa ou à Koulaboui ou à Lola, c'est là que tu mets des bêtises. Si vous ne voulez pas favoriser le nationalisme et vous continuez vos conneries là, de division, de dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon problème, oui, c'est pourquoi nous sommes en retard. Parce que chacun ne pense à soi-même ou à l'ethnie. Anaotagi, tu l'écris seulement.
Moi, je ne te frappe pas. Je te bloque et tu ne verras plus les vidéos. Et là, comme ça, là, entre nous, les Guinéens, là, ça va être entre nous. Voilà. Moi, je pense que c'est un problème entre les Guinéens. Moi, tu viens seulement, tu mets Anao Tagui, je te bloque. Purement et simple. Ça, c'est clair et net pour tout le monde. Si on ne peut pas s'entraider entre nous, on est là tout le temps, des propos bidons. Les gens sont en train de pleurer. Si ce n'est pas chez toi, dans ta maison, tu t'en fous. Ils sont en train de casser la maison des autres. Si tu n'as pas ta tante dedans, ton nom dedans, ce n'est pas ton problème. C'est comme ça nos mentalités. Et c'est ça le gros problème de la Guinée aujourd'hui. Si ça manifeste de l'autre côté, ah, c'est eux toujours. Nous, on n'est pas dedans. Bon, aujourd'hui, c'est à Cancan. Si c'est Bambeto, ah, c'est eux qui manifestent. Eux, ils manifestent pour leurs droits. Maintenant, c'est Cancan. Si tu ne cherches pas à comprendre pourquoi ils sont en train de manifester, ah, ça, Anao Tagui. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas de sentiment, go. Marafolao, ben, 1000 fois. Là, il m'a dit, ce n'est que le début. Là, il m'a dit, ce n'est que le début. Là, il m'a dit, tu as pris ta maman, tu l'as envoyée à Conakry. Ibara Bossan, tu viens, tu as acheté la maison pour donner à ta maman à Kipe. Ta petite sœur, elle, elle a quitté Orléans, elle est venue en Guinée. Elle est en train de construire étage où, à Yimbaya, non loin de Famba, de la clôture de l'aéroport. Là, il m'a dit, Ikoko, pro-sœur, Ikoko, c'est les autres qui sont en train de voler. Toi, tu as acheté la maison à Kipe, on sait, c'est des milliards. Toi, tu n'es pas entrepreneur, business type, tu n'étais qu'un simple légionnaire, chassé de la Légion. Venir en Guinée, et celui qui t'a grandi, celui qui t'a mis au-dessus de tout le monde, toi, tu l'as humilié, qu'on la pauvreté, qu'au troisième mandat. Et toi, tu veux faire un mandat sans que le peuple ne vote pour toi. Il a niveauté Saro, il a barreté Saro, il a colonté Saro, il cité Saro. Hein? Fouille. Je t'ai dit, tu vas sentir, mon frère. Nous, on veut le bonheur pour ce pays. Moi, je ne souhaiterais jamais le malheur pour la Guinée. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Ce n'est pas parce que tu es là-bas, je vais souhaiter le malheur. Moi, Damaro, je ne le souhaiterais jamais. Jamais plus grand. Mais en te connaissant, je sais que tu ne pourrais rien apporter. La Guinée, hey, c'est ce qu'un cafon, au début du coup d'État. Nko, si c'est vous qui êtes sur la bonne voie. Ni Al, c'est-à-dire Almiria de Toukaï, ou c'est le professeur Fakonde qui était sur la bonne voie, qu'Allah fasse justice. Une année seulement. Ça n'a même pas pris 6 mois. Même ceux. Voilà. Baba Oumi, toi aussi tu es banni. Merci. Comme tu viens d'arriver, tu ne vas plus mettre ça ici. Donc, une année seulement. La situation, elle est ouf. Tu as pu changer quoi? Là, il m'a dit. La situation, tu as pu changer quoi? Tu as pu changer quoi? Anyouama, Ida Loko Komiaro, Masaya. Là, ça n'a compté très bien. Ben voilà, tout le monde. Même les gens de basse-côte, ils n'ont pas dit que là, ça n'a compté de basse-côte. Tout le monde est sorti. Parce que la situation était devenue difficile. Il m'a fait que Kamere Bayale, Alda Loko Komiaro, elle est là pour Masaya, pour Kamere Bayale. Voilà. Voici encore Sekou Kamara qui vient se flanquer que moi j'ai insulté que Bambeto, c'est des moutons. Moi j'ai toujours dit ici dans mes directs, ne viens pas faire l'amalgame. Et je vous ai toujours dit, moi, mes vidéos, je ne les supprime pas. Voilà. Ceux qui viennent m'insulter dans mes directs à l'époque, l'UFDG opposé au RPG, ceux qui m'insultaient, je les disais mouton. Moi, je n'ai jamais appelé une communauté ou un groupe de ce que tu es en train de dire. Voilà, c'est vous les supporters de l'AIMADI. Si ça venait de quelqu'un de l'UFDG, peut-être que j'allais dire j'allais pouvoir peut-être comprendre. Mais c'est encore vous. Parce que c'est ça l'amalgame. Vous venez ici, pour eux, toi tu disais ça. Moi, mes vidéos sont là-bas. Je vous ai dit, où j'ai insulté une communauté. J'ai toujours précisé ceux qui viennent m'insulter. J'ai toujours
toujours précisé. Mais c'est vous. C'est vous. Les Nafi, là, qui soutenez l'Aïmadi. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ah, Damaro, non. Ce que vous voulez que Damaro devienne, non, il ne tombe pas dans ça. C'est vous. Va, prends seulement une. Il y a beaucoup. Vous avez des blogueurs qui sont contre moi. Il n'y en a pas. Si il y avait mes propos, moi, je précisais très bien dans mes vidéos. Si c'était ça, c'est mes vidéos, là, ils allaient couper pour dire, voilà, tu as dit ça. Telle communauté est tant. Tous les gens de Bambeto tant. Moi, j'ai précisé ceux qui viennent m'insulter. J'ai la tête sur les épaules. Je mesure mes mots. Je sais ce que je dis. Et quand il est temps de demander pardon, j'essaie de demander pardon. Voilà. Quand il s'agit de parler de l'intérêt général, je sais aussi le faire. Ce n'est pas des gens bêtes comme vous, là, que moi j'ai traité. C'est le monde des réseaux sociaux. Tout est sur YouTube. Moi, mes vidéos sont sur YouTube. Tu vas, tu prends un peu seulement. Tu donnes à un blogueur qui supporte là, il m'a dit, voilà, Damaro disait ça. Pensez que moi, je suis bête comme vous, de communautaire comme vous. Moi, je ne vous réponds même pas. Bravo, Alignano. Vous n'allez pas... Moi... Bravo, Alignano. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas bête comme vos blogueurs communautaires là, qui s'arrêtent là pour insulter la communauté, pour insulter d'une manière. Là. Moi, je ne suis pas comme eux. Alignano Malou. Néné, Alignano Malou, t'es crendé. Alignano Crudolou. Néné, Alignano, t'es crendé. Parce que... Konyaka hankri dominu amara supporter la adoulewe ou bien ici là manamana kanfo asintano because moi je ne vais pas tomber dans vos pièges. Je ne vais pas tomber dans vos pièges. Konyaka de hankri dominu amara kojo oulewe. Moi là, vous n'allez jamais avoir le général 5 étoiles. Hein? Je vous ai dit, allez-y, toutes mes vidéos, allez-y. Prenez une vidéo où j'ai insulté toute une communauté, tout un parti politique. J'ai toujours précisé. Ceux qui venaient dans mes directs pour m'insulter, c'est eux que j'ai toujours répondu. Et si tu n'as pas compris ça, tu viens te flanquer ici que moi j'ai traité tel temps. Il faut parler maintenant. Yann est ici, madame Nakamfola Yann. Donc, la situation continue à Cancan. Jusqu'à présent, il n'y a pas de négociation. Les jeunes ne veulent rien comprendre actuellement. Même l'accès du quartier est difficile pour les gendarmes actuellement. L'accès du quartier, c'est des négociations. C'est des négociations en négociation. Voilà. Négociation à négociation. Des négociations à négociation. Yep. Donc, quand, attends, je vais vous montrer quelques images. Voilà. Les jeunes sont regroupés. L'accès de ces secteurs, de ces quartiers aujourd'hui, difficile par les forces de l'ordre. Voilà les jeunes qui demandent tout simplement de leur donner le courant comme c'était avant, comme au temps du procès Alpha Condé. Ils veulent le courant comme c'était au temps du procès Alpha Condé. Si vous pouvez faire mieux, là, vous faites mieux. Ils disent qu'ils veulent le courant comme c'était avant. Si c'est de 6h à 6h du matin, si c'est de 6h à 0h, qu'ils veulent le courant comme avant, c'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas dit il faut faire mieux que le procès Alpha Condé. Il n'y avait pas de barrage. Le procès à Falcondé s'arrangeait comme... Les barrages, là, c'est presque fini maintenant. Même ça, au lieu de finir ça, vous êtes incapable. Même les fils, là, c'est tout un problème. Regardez. Même les gendarmes, les policiers, là. Aldi Manka Kambafobi. Aldi Kumaru. Moltenanyaï, là. Vous avez vu? Ils ont dit, ils n'ont pas demandé grand-chose. Ils ont tout simplement dit, ils n'ont pas dit 24 heures. Ils ont dit de 6 heures à 6 heures ou de 6 heures à 2 heures du matin.
C'est tout ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas dit qu'il faut faire mieux que le professeur Alpha Condé. Ils n'ont pas dit qu'il faut faire ça. Vous allez sentir que déjà le professeur Alpha Condé, Quatre Cola, là il m'a dit, Marafignone, il a mal à toi. Là il m'a dit qu'il a mal à toi. Là il m'a dit, il a mal à toi. Il m'a barabao. Bifana, actuellement, souffrance qui est sur toi, là. Ébraillé. Hein? Ébraillé. Doma boulebao. Tchédjambat. Hein? Ébraillé. Tchédjarani. Nko. Kanka hamiao. Ofanabarala koka fanakoko. Et. Ko. Dunia bebrao est là. Ko. C'est chez lui ça. Ko kanka kalu le boniti. Ah. Molda foko ja. Kwa te se kola. Kute se kola. Nkima. Troya mi bobao. Mara funyene. Troya mi bo. Hami. Hami Jankaroli, Hami Mai, Konrofri Mai, Idi Dominique, Sise ya Domina, Sobo ya Domina, Dje ya Domina, Fem Fenat Dagbe, Maida Bedom, Meite Farison, Ian Kirito Sunola, Hamia, Konrofri, Ele le Kokidi Kebefai, Ila Lukonamolu, Kurante do la Bonkono, Jite do la Bonkono, Balote, Ida Lonko. Ja le professeur Alpha Condé kaka roja kaka kosha manke là il a ko kamre payale maintenant là les supporters là parlent.